Salut Pierre. Bonjour Thierry. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation autour d'un mot. Je t'ai invité autour du mot diversion. Parce que c'est un mot moi, que j'ai évoqué plusieurs fois dans le cours et puis tu as élaboré là-dessus d'une manière assez exemplaire parce que pour toi c'est vraiment un problème aigu actuellement, y compris quand on parle en termes de santé. Absolument. Pour moi, le mot diversion, il est absolument rattaché au mot divertissement. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont les deux piliers sur lesquels repose notre système pour nous amener à faire des choses dont on n'aurait naturellement pas forcément envie. Ce qui nous permet d'ailleurs de consommer comme on consomme de façon excessive, de manger comme on mange, de vivre comme on vit. La diversion, c'est pour moi l'un des éléments qui est issu directement de ce qu'on appelle la symptomatologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vécu un paradigme très structuraliste, c'est-à-dire qui a décidé de séparer les choses dans un monde, mm-hmm. alors que c'est un tout, on a décidé de s'octroyer le droit de croire qu'on pouvait comprendre les éléments en les séparant. On voilà. les sépare et on les analyse séparément et on pense qu'on les a compris hors de tout système. Exactement. Et à partir de ce moment-là, il suffit juste de voir comment fonctionne ce système-là ou cet objet-là. Et quand on le voit, eh bien, on peut en tirer des conclusions. Alors que absolument pas, parce que ce système-là fonctionne dans un système beaucoup plus complexe et c'est dans ces échanges que se joue justement la particularité, la spécificité du système étudié. Oui, d'ailleurs, l'étude des échanges est souvent beaucoup plus intéressante que l'étude de l'objet lui-même. Absolument, parce que c'est les échanges qui donnent la nature au système lui-même. Donc, c'est à partir de ce paradigme-là qu'a été, on va dire, autorisé d'étudier les choses de façon symptomatique. Parce qu'il suffit juste de regarder un objet sans étudier les échanges. Oui, donc regarde un symptôme, un phénomène pour le corps. Et voilà. Et donc, on considère que le symptôme, à partir de là, peut devenir une cause. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de développer toute une idéologie autour du symptôme qui fait que actuellement on ne court que derrière les symptômes. D'ailleurs, tu as une diarrhée, le problème c'est la diarrhée, on résout la diarrhée. Jamais on va se demander mais pourquoi est-ce qu'il y a une diarrhée, pourquoi. Parce qu'avant d'empêcher quelque chose, il faudrait d'abord savoir à quoi ça correspond. Exactement. Et c'est valable pour tous les symptômes. Et si on réfléchit bien, on ne va pas énumérer tous les symptômes, mais aujourd'hui tous les symptômes ont une cause qu'on ne traite jamais. Et tant qu'on ne va pas chercher à comprendre les causalités, on n'avancera pas. On ne fera que déplacer les problèmes. Il y a une histoire très intéressante à ce sujet qui explique un petit peu notre relation avec les symptômes. C'est l'histoire de cet homme qui cherche ses clés sous le lampadaire. Tu connais cette histoire ? Non, oui. C'est l'histoire donc c'est en pleine nuit. Il y a un monsieur qui circule sur un trottoir. Et il voit un monsieur qui tourne, qui cherche quelque chose, qui semble chercher quelque chose autour d'un lampadaire. Donc il s'approche du monsieur et il dit « Bonjour monsieur, vous avez perdu quelque chose ? » ?»« Oui, j'ai perdu mes clés. Je cherche depuis un quart d'heure et bon, écoutez, je vais vous aider. » Et puis donc il se met à aider le monsieur à chercher les clés. Donc il cherche. Au bout d'un certain temps quand même, il dit « Mais vous êtes sûr que vous avez perdu vos clés là ?»« Ben non, pas du tout, mais en fait c'est le seul endroit où c'est éclairé. » Et aujourd'hui, on en est rendu là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis le focus, on a créé une diversion uniquement à l'endroit où c'est éclairé. C'est-à-dire qu'on nous a dit, regardez là. Voilà. D'ailleurs, moi je le disais en cours, la diversion c'est fabuleux, c'est d'ailleurs la base de la prestidigitation. Un prestidigitateur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de travailler de cette main-là, et il nous dit, regardez là. Et on m'avait dit, si tu veux comprendre un prestidigitateur, tu regardes surtout pas où il te dit de regarder. Et actuellement, quand on parle de santé, on te dit, regarde le symptôme. Alors que le symptôme n'est en aucun cas un révélateur de l'état de santé. Absolument pas. Cette idéologie du symptôme nous amène à ne pas avoir des critères de réflexion nécessaires
pour pouvoir se désempêtrer de tout ça. C'est-à-dire que si on s'attache uniquement aux symptômes, et d'autant plus qu'on ne cherche pas à le comprendre, mais on est soumis aux lois de la mode, des gens qui vont nous dire, voilà, pour traiter tel symptôme, mais tu fais comme ça. C'est-à-dire qu'on va être soumis aux lois des recettes. Exactement. Voilà. C'est qu'on a des recettes pour toutes choses, et non pas un questionnement qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui est en amont, et là qui est plutôt du domaine individuel. Exactement. Parce qu'il n'y a pas, dans ce cas-là, il n'y a jamais de règles, hein, il n'y a que des principes, et les règles doivent être appliquées de façon spécifique. Donc c'est à chacun. Une personne qui a 10 personnes qui ont la diarrhée, c'est 10 causes différentes. Exactement. La diarrhée n'est qu'un symptôme, mais il peut y avoir... Et voilà. En s'intéressant à la diarrhée et en traitant la diarrhée de manière unique chez toutes ces personnes, eh bien, on rate complètement la cible. Et c'est en ce sens-là qu'on fait diversion, parce qu'on empêche un mécanisme de retour vers la santé. Exactement. Et il y a un mécanisme beaucoup plus vicieux qui fait que, comme je l'avais expliqué, le symptôme, si on ne le comprend pas, on en fait son ennemi. Et à partir de ce moment-là, on se met en concurrence avec lui. Alors que le symptôme, quand on le comprend d'un point de vue physiologique, on se rend compte que c'est le meilleur allié de l'organisme, parce qu'il est là pour révéler le fait qu'il est en action pour traiter une problématique en amont. Tu me parlais de ce type d'enfants que tu traitais régulièrement, ouais. Ça m'a beaucoup marqué, des enfants qui sont asymptomatiques. Absolument. Des enfants qui n'ont pas de sensation. Ouais, on appelle ça l'algo-ataraxie. D'accord. Donc ce sont des enfants qui naissent, donc c'est une maladie congénitale, et qui naissent donc avec l'incapacité de traiter l'information douloureuse. Ça paraît fabuleux. On te dit, ah, ils n'ont plus jamais mal, c'est le top. Ah, c'est ça. Et c'est temps, tu me dis. Et ben, moi, les enfants que je vois actuellement, ils ont une espérance de vie de l'ordre de 20 à 30 ans, maximum. Parce qu'ils n'ont pas de feedback de leur corps qui leur indique que là, ça ne va pas. C'est ça. C'est un petit peu comme si dans ta voiture, tu n'avais plus le voyant pour la jauge d'essence. Exactement. C'est-à-dire que tu roules, mais tu ne sais pas à quel moment. Et donc, si tu as atteint la limite. Voilà, tu n'as pas atteint ta limite. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on disait que le voyant de la jauge d'essence, aujourd'hui, nous, on veut mettre un scotch dessus. Ouais. Ça, c'est traiter le symptôme. Mmh. Alors que traiter la cause, ça serait simplement dire, ah, j'ai compris le principe qui sous-tend la lumière qui s'allume. L'allumage de la lumière. Ça veut dire qu'il manque du carburant, donc je vais m'arrêter à la station d'essence. Oui, parce que de toute façon, la négation du symptôme ne change en rien que le réservoir est en train de se vider. Ça va changer. C'est pas parce que si on va mettre un scotch, ça ne change rien à la qualité du niveau d'essence dans le réservoir. Exactement, parce que tu vas quand même tomber en panne. Mmh. Et c'est ce qui va se passer aussi à notre organisme. C'est-à-dire que si on est dans l'incapacité de comprendre et d'analyser les principes qui sous-tendent tout symptôme, eh bien, ils vont aller en s'aggravant et le corps va aller en s'aggravant. Mmh. Donc, si on ne comprend pas les symptômes, on se met en compétition avec le symptôme. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on n'arrive pas à travailler en accord, en osmose avec l'organisme. Du coup, si la compétition se met en place, il y a deux choses. C'est qu'on n'arrive pas à traiter la cause, mais en plus, on devient dépendant d'un système extérieur. Oui. Vu qu'on n'accepte pas que notre corps travaille pour nous. Oui. Mais c'est ça en fait le gros problème. C'est qu'on estime, on part d'un paradigme dans lequel le corps ne fait que dysfonctionner et nous compliquer la vie au travers de symptômes qui sont là pour nous atteindre, quoi, finalement. C'est ça. C'est vraiment l'idée, le paradigme de départ, de regard sur le corps. Est-ce qu'on regarde le corps comme une machine imparfaite qui dysfonctionne en permanence, ou est-ce qu'on le regarde comme un magnifique système adaptatif qui fait tout ce qu'il peut avec toutes ses ressources pour s'adapter à des changements d'environnement? Exactement. Et tous ces mécanismes symptomatiques aujourd'hui, parce que tout à l'heure on parlait des candidats albicans. Ah. Et ça, il y a eu un passage, je dois le dire, parce que j'ai eu tendance dans mon cours à simplifier le problème du candidat. Puis on me demandait de spécifier, je disais non, mais moi, je ne veux pas y passer du temps et tout. Et je voyais Pierre sur sa chaise qui faisait des bons et qui disait voilà, on est encore en train de s'occuper d'un symptôme, le candidat albicans, alors que des causes de candidat albicans, il y en a multiples, il faut vraiment revenir à la base des bases. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un problème extrêmement généralisé, mais sur 100 personnes qui ont des problèmes de candidat albicans, les gens ne se rendent pas compte que c'est pour 100 raisons différentes. Et les gens, ils ont vraiment l'impression, dans cette démarche de chercher des réponses et des recettes sur ça, que vraiment, il y a une seule cause. Et donc, il y a un régime anti-candidat et des produits de traitement anti-candidat. Il y a une pilule magique pour candidat. Et ça ne marche pas. Ah ben évidemment que non, que ça marche. C'est rassurant. La preuve, c'est que ça ne marche pas. Mais c'est non, rassurant. Ah mais c'est évident. Et ça ne marchera toujours pas. Mmh. Et tant qu'on ne remettra pas en question notre façon de penser et de réfléchir par rapport à ça, on autorisera ces modèles qui nous vendent systématiquement de nouvelles recettes, de nouveaux médicaments, de nouvelles choses miraculeuses. Alors que la seule chose sur laquelle il faut véritablement faire des réformes, c'est sur notre façon de réfléchir aux choses. Et de se réapproprier le savoir pour obtenir de la connaissance. Oui, d'ailleurs j'aimais bien ce que tu disais que
selon toi, pour ne pas être esclave d'une personne qui nous dirige et qui nous balade, eh bien, on ne peut pas faire l'économie d'avoir un minimum de connaissances sur à peu près tout, ou en tout cas, à peu près tout ce qu'on rencontre dans notre vie. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des savoirs qui ne sont pas conformes à notre environnement. Ça ne me sert à rien de savoir comment survivre en plein désert si j'habite dans des forêts, quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Absolument. Mais par contre, ce minimum de savoir nous permettra de détecter si quelqu'un est en train de nous balader ou pas. Et on ne peut pas en faire l'économie. C'est ça. C'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait mon intervention là, il y a quelques jours, il y a une personne qui me disait « Mais on ne peut pas tout savoir sur tout. » Et ce n'est absolument pas l'idée de tout savoir sur tout. Mais par rapport à notre environnement... Tu dois un peu savoir sur il tout. Faut tout. Il faut savoir un peu sur tout, mais par rapport à l'environnement. Je donnais l'exemple, une personne qui vit sur une île déserte et qui n'a aucune électronique autour de lui, n'a aucun intérêt, aucun besoin d'avoir... d'étudier l'électronique. Exactement. Par contre, quelqu'un qui travaille, par exemple, chez IBM, qui est en permanence entouré d'électromagnétisme, d'ondes, de Wi-Fi et compagnie, bon, mais il serait plutôt intéressant pour lui de connaître l'effet sur de le connaître corps. Les effets, les principes qui sous-tendent le fonctionnement de tous ces mécanismes-là pour pouvoir faire le nécessaire, pour faire de la prévention par rapport à sa santé, et ne pas attendre de devenir malade pour dépendre de spécialistes. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on a délégué l'ensemble de notre savoir, on n'a plus aucun moyen de réfléchir et de prendre du recul par rapport à la véracité, je dirais, de ce qu'on nous dit. On est obligé de gober, de croire. Et donc, mais si la personne veut nous dire qu'il faut que tu achètes ça, mais on est obligé de le croire. Sinon, on n'a pas de référentiel. Exactement. On est dans un flou complet. Exactement. Donc, tant qu'on ne fera pas de réforme sur notre manière de réfléchir, parce que pour moi, c'est la réflexion vraiment qui prime là-dedans, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire qu'on remplacera des spécialistes par des autres. Oui, voilà. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'on disait finalement, il n'y a pas d'alternative à la médecine. On parle toujours de médecine alternative. Oui, non, l'alternative à la médecine, ce n'est pas de médecine. Voilà, pour reprendre le fabuleux Jean-Pierre Lepri, qui dit toujours, quand on lui demande éducation alternative, il te regarde de l'air un peu désespéré, il te dit, mais il n'y a pas d'alternative à l'éducation. L'alternative à l'éducation, ce n'est pas d'éducation. L'alternative à la médecine, ce n'est pas de médecine au sens symptomatique de la chose. Absolument. Et c'est du savoir. C'est du savoir et de la physiologie et d'être capable de se déterminer par soi-même en fonction de ses connaissances. Absolument. Pour moi, aujourd'hui, la façon dont j'imagine l'être humain, ça se rapproche plus, c'est l'image que je donne souvent, d'un Léonard de Vinci, tu vois, par exemple, qui, à son époque, s'intéressait absolument à tout. C'est-à-dire qu'il avait des connaissances, mais des savoirs et des connaissances dans tous les domaines. Et aujourd'hui, moi, je pense que l'être humain, avec sa capacité, doit tendre vers ce genre de choses, parce que nous-mêmes, non seulement on s'enrichit de tout ça, on s'émerveille du monde parce qu'aujourd'hui il y a un désenchantement total du monde parce qu'on nous présente, on nous dit bon mais écoutez, le monde c'est comme ça parce que les spécialistes nous disent comment est-ce qu'il faut voir le monde, donc ils nous disent mais écoutez, c'est comme ça, mais voilà, vous pouvez pas faire autrement. Alors que si on réaccède au savoir chacun de notre côté en travaillant, on va découvrir les choses et on va se réenchanter. C'est ce que j'ai essayé de faire avec la vidéo que j'ai passée tout à l'heure. Ah, oui. Recréer un réenchantement. Donc la vidéo, je redis, hein, je mettrai d'ailleurs quelques séquences. Oui, bien sûr. Pour l'illustrer, en fait, c'est une vidéo qui relatait une exploration à la caméra juste sous l'épiderme. Voilà, absolument. Une caméra grossissante 25 fois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Juste sous la peau. Et pour voir, d'ailleurs tu disais, c'est le meilleur moyen de sortir du dogme pasteurien. Parce que quand tu vois... Oui. Quand tu vois tout ce qui se passe sous une peau, c'est juste extraordinaire. Là, on ne peut que s'incliner devant la magnificence de la nature. Ouais. C'est donc, mais par contre, quand on voit ça, on tend à l'émerveillement. Ouais. Et on tend à se dire, c'est extraordinaire. Wow. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Wow. Parce que des fois, on a une vision très mécaniste. Il y a tout ça en nous. Ouais. Pas à l'extérieur. Ouais. Il y a tout ça en nous. Donc déjà, quand on prend conscience un petit peu de tout ça, on se dit que finalement, on n'a peut-être pas autant besoin de se rendre esclave de l'extérieur et que la plus grande révolution ne viendra pas de l'extérieur, mais de nous. Mmh. Et que le plus grand travail va se faire plutôt dans notre rapport au savoir, dans notre rapport à la connaissance et dans notre rapport à l'échange par rapport à notre environnement. D'ailleurs, l'exemple que tu prenais de Léonard de Vinci m'a toujours frappé. Je réfléchissais que jusqu'à une époque récente, tous les chercheurs, les Pythagore, les Hippocrates et les choses comme ça, c'était des gens, ils étaient philosophes, poètes, mathématiciens, physiciens. Absolument. D'ailleurs, à notre époque, ça ferait rigoler. On te dit, mais personne ne peut être, peut être poète, philosophe. Ouais, si. Alors, en même temps, ils n'étaient certainement pas aussi précis que des super spécialistes de maintenant. Mais en même temps, ils avaient une vision tellement générale que ça leur donnait une efficacité. Je vais te donner une opinion très personnelle, mais pour moi,
pour avoir été en contact avec des chercheurs, et d'ailleurs c'est encore le cas par rapport au travail que je suis en train de faire actuellement, la précision ne sert à rien si on n'a pas conscience de la globalité. Oui, parce que c'est les interactions qui importent. Exactement, c'est l'interaction qui importe. On est spécialiste d'un micro-domaine, en s'intéressant à la nature du micro-domaine, sans s'intéresser à ces interactions. Moi j'ai vu des chercheurs qui étaient spécialisés dans des choses, mais qui au quotidien ne servent à rien, et ils n'ont aucune vue d'ensemble, et donc du coup, ce qu'ils étudient finalement, objectivement, n'existe pas. Oui. Ça existe dans leur laboratoire. Parce qu'il n'existe jamais isolément. Exactement. Oui, c'est comme quand tu osais dire aux rencontres de la régénération que le foie n'existait pas. Ah oui, ça a choqué beaucoup de monde. Ouais, mais il faut l'expliquer. Tu veux dire que le foie pris isolément et étudié isolément n'existe pas. Parce qu'en fait, le foie existe en interaction avec les autres organes. Lorsqu'on l'étudie en dissection, on étudie la structure. On peut éventuellement appréhender un petit peu la fonction, mais ça, on ne peut pas l'étudier sur un cadavre parce que c'est mort. Et donc, c'est ce qui fait la vie, c'est le mouvement. C'est les flux, et donc, c'est les interactions. Exactement, c'est les interactions avec les autres structures. Donc, le foie que l'on dissèque pour apprendre, pour étudier la structure, n'est pas un foie qui existe en soi. C'est une représentation de ce qu'il y a quand c'est vivant. Et alors, ce terme de diversion, donc il était diversion par rapport aux symptômes, j'avais envie aussi qu'on l'évoque aussi par actuellement dans la santé alternative, entre guillemets. Bon, ben, le grand coupable maintenant, c'est uniquement l'alimentation. C'est-à-dire qu'on nous a dit, de plus en plus de gens se posent des questions, ils sentent que le paradigme, le modèle qu'on leur a donné ne marche pas, et là on leur a dit, regardez, et pendant ce temps on est en train de bricoler là, mais regardez, c'est l'alimentation, c'est le gluten, c'est la caséine, c'est le gluten, c'est eux les responsables. Absolument. Et on nous attire notre attention en permanence là-dessus, et c'est vrai que moi en début de cours, j'ai beaucoup surpris les gens, parce que pendant 3 jours, je leur ai parlé que d'épuisement nerveux. Hein, et puis il me dit, mais l'alimentation là-dedans. Je dis, non, mais t'inquiète, sur l'alimentation, t'en sais déjà beaucoup. Ouais, ouais. T'en sais même trop déjà tout sur l'alimentation. Tout a été dit là. Tout a été dit. On a fait le tour. Tout a été dit. Absolument. Absolument. Et ça, on est actuellement dans la diversion à la mode. Ouais. C'est la diversion à la mode. Mais de toute façon, la diversion ne fait que suivre des modes. Donc actuellement, bon, je pense que pour l'alimentation, on va en avoir pour un petit moment. Parce qu'il y a plusieurs, on peut amener voilà divers, on peut amener différentes petites touches. Donc là, on est passé par le gluten, par les produits laitiers, tout ça. Ça ne veut pas dire que ce sont de bons produits. Attention, je dis juste, on est bien d'accord. Hyper focalisation là-dessus. Donc, on s'y intéresse une fois, puis après on en parle. Exactement. Plus. C'est comme parfois on m'a dit que, mais du coup, alors qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que l'alimentation n'est pas importante ? Ah ben si, elle est extrêmement importante. D'autant plus de nos jours où on mange n'importe quoi, c'est encore plus important de faire attention. Mais c'est un faux problème. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on met trop en avant, oui. Et du coup, on cache, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on cache tout un domaine derrière qui, pour moi, prédomine. Et du coup, qu'on perd trop de temps sur des détails. Donc, tu veux dire que les grands débats, on n'en plus finir sur telle proportion de glucides, telle proportion de protéines, c'est là aucun où c'est la perte de temps. Voilà. Aucun intérêt. On prend les grands principes de l'alimentation, on dit voilà pourquoi l'alimentation moderne a un problème, voilà les quelques grands principes qu'il faut suivre, et ne pas rentrer dans des prises de tête par rapport aux règles, parce que de toute façon, ce n'est pas là où se joue l'enjeu principal. Oui. Absolument. Mais moi, alors, je sais que les gens n'aiment pas trop qu'on compare les êtres humains avec les autres êtres vivants, mais j'aime bien quand je suis embourbé un petit peu dans un monde comme ça de diversion, regarder les autres êtres vivants, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et donc, je me suis toujours demandé, par exemple, quand je regardais des animaux manger, comment ça les ferait rigoler si je leur parlais de posologie, ou même si je leur parlais, mais attends, t'as combien de protéines là dans ton... Est-ce que t'as au moins 2500 calories dans ton... Parce que exactement. C'est hier soir, quelqu'un au stage, et ça m'a amusé, qui me demande si dans nos repas, il y a exactement 2500 calories par jour. Et là, je suis resté bouche bée, j'ai dit, mais en fait, j'en sais rien, de toute façon, c'est des buffets, donc tu manges ce que tu dois manger. Et est-ce que tu as 2500 calories? J'en sais rien. Mais non, mais et puis pourquoi faire? Je veux dire, ça montre à quel point on est perdu. Ça montre à quel point on est perdu, mais quand je dis on est perdu, moi c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on est tous dans le même bateau. Hein. C'est-à-dire que même si moi j'en parle, c'est parce que je suis aussi perdu et qu'au quotidien, j'essaie de faire ce travail d'autocritique pour voir quels sont les principes qui sous-tendent ma façon de penser. Mmh. Et non pas de savoir, bon, aujourd'hui, est-ce que je vais prendre tant de protéines ou tant de lipides? Non. Ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que je me pose la question de savoir est-ce qu'il faut tant de lipides et tant de protéines? Et là, on commence déjà à prendre un petit peu de recul sur les choses et on se rend compte très vite que ça ne sert à rien, déjà parce que nous sommes tous différents et que pour moi, d'un point de vue alimentaire, ce qui est important, ce n'est pas tant l'aliment, mais c'est ce qu'on en fait.
comment on va l'utiliser. Et ça, c'est extrêmement... On parle de la diététique de l'aliment en dehors de la bouche, alors qu'en fait, on parle en aucun cas de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Exactement. Et ce qui se passe à l'intérieur du corps, donc ce que l'on assimile, dépend du terrain. Et le terrain, il est spécifique. On est tous différents. Donc, si toi, tu manges une banane ou si moi, je mange une banane... Ça n'a aucun effet par assimilation. Exactement. Ça. Peut-être que toi, ça va te faire du bien et moi, ça va me faire du mal à l'instant T. Et peut-être que si on refait la même expérience dans 2 heures, ça sera peut-être l'inverse. Exactement. Déjà parce qu'on est différent, mais en plus parce qu'il y a des principes là derrière que l'on ne connaît même pas aujourd'hui. Parce que ça aussi, ça fait partie des éléments importants, c'est qu'il faut bien comprendre que en science, nos connaissances aujourd'hui, elles sont extrêmement limitées. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont persuadés lorsqu'ils écoutent les spécialistes qu'on a tout vu, on a tout fait, à circuler, il n'y a rien à voir. Mais C'est l'orgueil humain. Oui, c'est l'orgueil humain. Mais on ne sait absolument rien. Ce sont les balbutiements. Les balbutiements. Et en même temps, on n'a pas besoin de rentrer dans une telle complexité. Absolument pas. Ce n'est pas nécessaire. Tu avais une phrase qui m'avait beaucoup touché. Tu me disais, je ne crois pas qu'on aura un jour un modèle assez complexe pour décrire les besoins vitaux de l'humain. Bah, absolument pas. Et on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, et je ne vois pas comment on pourra. Parce que nous, notre capacité de compréhension, elle est limitée, alors que la nature, intrinsèquement, elle est limitée. Donc nous, on est en retard, parce que la nature était là avant nous. Faut le comprendre, ça. C'est-à-dire que ce que j'expliquais la dernière fois quand on parlait aussi de nutrition, c'est que le corps, il fonctionne avant même que l'on comprenne comment il fonctionne. Donc il n'a pas attendu. On a l'impression qu'il faut le théoriser pour qu'il puisse fonctionner. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'a pas, notre organisme, notre corps n'a pas attendu qu'on corticalise des modèles explicatifs pour se dire, allez, on va pouvoir fonctionner correctement. Voilà. D'ailleurs, on s'est bien rendu compte. On n'a pas attendu les diététiciens pour manger. Pour manger correctement, on n'a pas attendu tout le modèle calorique, on n'a pas attendu de savoir combien il y avait des protéines et ainsi de suite. Et force est de constater que ce n'est que depuis cette période-là que ça s'est dégradé. Exactement. Donc, il va y avoir un moment, il va falloir être humble, il va falloir faire une autocritique de notre orgueil, de notre arrogance par rapport à la nature. Et là, on pourra peut-être commencer à acquérir du savoir et à vivre de façon un petit peu plus harmonieuse. Et ce qui est amusant par rapport à ça, tu vois, je repense à ce modèle calorique parce que plusieurs fois on m'a dit, oui mais les gens sont tellement perdus qu'il faut leur donner des règles, sinon ils ne mangent pas assez. Et moi, chaque fois, je me dis, mais en fait, ce qu'il faut leur apprendre, c'est à revenir à leur ressenti. Exactement. Et à partir de ce moment-là, dans tous les domaines de leur vie, ils mangeront, ils vivront, ils boiront, ils prendront le soleil de manière adéquate. Absolument. Plutôt que de leur donner des règles, tu dois manger au moins 2500 calories, alors que ça ne veut rien dire, tu ne connais pas l'activité de la personne, tu ne connais pas son métabolisme, tu ne connais rien. Absolument. En fait, c'est encore toujours pareil, c'est donner du poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Absolument. Et il y a un précepte en ostéopathie qui avait été développé par le docteur Colin Becker qui disait que seul les tissus savent. Ça signifie finalement qu'il n'y a que notre corps véritablement qui sait et que notre seule façon de répondre véritablement à ses besoins, c'est d'augmenter, de développer notre capacité à l'écouter. Donc à améliorer la qualité de notre dialogue. Et là, ce qu'on fait avec la symptomatologie, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit non. On ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre et en plus, on va le combattre. C'est-à-dire qu'on pourrait, à la limite, ne pas l'entendre et le laisser faire. Oui, oui. Mais non. On l'entend pas, mais en plus on le combat. C'est-à-dire qu'on lui dit non seulement tu te tais, mais en plus tu disparais. Donc là on est dans une inversion totale. Oui. Et donc c'est pas du tout surprenant que la santé en si peu de temps dans l'histoire de l'humanité ait pu autant dégénérer. Oui. Et qu'en 2016 on est Et puis non seulement que la santé ait pu dégénérer et que la plupart des gens moi qui s'adressent à moi me disent on sait plus quoi faire. On sait plus comment, parce qu'il y en a un qui dit ça, et on fait des recettes, on peut en sortir. Moi, je peux te sortir là immédiatement une recette avec, tu vois, la griffe de sorcière qui est très très bonne pour te nettoyer les sinus et ainsi de suite. Je vais trouver quelques éléments qui vont me permettre de prouver dans un modèle complètement erroné, et puis c'est parti, quoi. J'ai fait une grande mode avec la belle griffe de sorcière. Ça va me faire une semaine, je vais voir comment ça va se passer, et j'aurais perdu une semaine de ma vie parce que j'aurais pas compris les principes qui sous-tendent ça, et je n'aurais pas compris pourquoi est-ce que j'avais eu ce symptôme-là. Voilà. Au lieu de le combattre, essayez de le comprendre, et ce n'est qu'en le comprenant qu'on travaille avec lui, et du coup qu'on laisse le corps faire. Petit exemple qui m'avait beaucoup amusé, durant cette semaine, il se trouvait que tu t'es fait mal à la cheville en allant courir. Ouais. Et tu m'as fait une remarque très très judicieuse, tu m'as dit, ça a été très intéressant parce que j'avais la cheville bandée, j'avais mal à la cheville, et en fait... Je n'ai rencontré que des personnes qui m'ont dit il faudrait que tu fasses ça pour ta cheville en te donnant des recettes sans même s'interroger sur pourquoi tu t'étais foulé la cheville, comment c'était arrivé, c'était le symptôme de quoi en amont. Et d'ailleurs tout à l'heure
Ben, je me permets, hein, tu discutais avec Philippe et c'était très intéressant parce que tu disais finalement, je me suis foulé la cheville parce que quelque part j'ai voulu faire le malin. Oui, tout à fait. Et tu disais finalement, mais même ça, c'est pas la cause. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire le malin entre guillemets ? Absolument, on peut remonter très loin. Mais ce qui est intéressant par rapport aux gens qui ont voulu me donner des recettes et je les remercie pour leur bienveillance par rapport à ça, mais du coup, moi, je les ai écoutés avec attention, mais je leur ai quand même demandé, comme je le fais toujours, pourquoi ? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que tu me dis de faire ça ? C'est-à-dire quels sont les principes qui sous-tendent le mécanisme dont tu me parles ? Parce que moi, par rapport à ce que je connais de l'anatomie et de la physiologie, il faut que tu mettes ça. Pourquoi ? C'est pas cohérent. Donc peut-être qu'il a des choses à m'apprendre que je ne connais pas, donc j'écoute. Mais là, force est de constater qu'ils n'avaient pas de principe derrière. Ils m'ont dit, ah, c'est parce que j'ai entendu, on m'a toujours appris ça, mais sans savoir pourquoi. Et il y a autre chose aussi, moi, que j'aime beaucoup, hein, c'est que donc, du coup, on a été amené à réfléchir d'un point de vue biochimique et physiologique, les principes donc, qui sous-tendent de l'inflammation, les œdèmes, les hématomes. Et du coup, voilà, du coup, ils ont pris du recul par rapport à ça, ils se sont rendus compte, ils ont extrapolé. Ah oui, donc dans ces moments-là, ça n'a aucun sens, et dans ces moments-là, oui, c'est intéressant. Et là, on commence à obtenir un petit peu d'autonomie par rapport à ça. Et moi, j'ai une question philosophique un petit peu plus intéressante en amont de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce monde symptomatique, on est constamment dans de l'interventionnisme à outrance. C'est-à-dire qu'on veut toujours... Tu as mal à la cheville, il faut faire quelque chose. Voilà. Et donc moi, je me pose la question, pourquoi faire quelque chose plutôt que rien ? Ça paraît bête comme question, mais pourquoi est-ce que, par exemple, quand on se tord la cheville... Mais Pierre, parce que tu ne peux pas rester comme ça. Mais pourquoi je ne peux pas rester comme ça ? Pourquoi je ne peux pas rester comme ça ? Tous les mécanismes de physiologie qui se mettent en place. Moi, tous les symptômes que je vois ne me font que me montrer que mon corps est en train de travailler. Et de réguler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que de laisser ? Et à la limite de permettre, c'est-à-dire de faire en sorte voilà, de ne pas trop... donner le repos qu'il faut. Et si on est suffisamment à l'écoute, on se rend compte que, voilà, que le corps fait ce qu'il faut. Moi, le corps, il m'a très vite dit, hop, là, attention, ne bouge pas trop. Parce que là, on est en train de travailler, donc... Donc cet interventionnisme de façon vraiment excessive, pour moi, est un problème. Et aujourd'hui, on le retrouve très souvent, hein, dans les médecines ou dans la diététique. On veut toujours intervenir parce qu'on a l'impression que si nous, on ne fait pas, mais rien ne se fait. C'est-à-dire que l'arrogance de l'humain qui fait que sans nous, le monde n'existe pas. Et les choses ne fonctionnent pas. Les choses s'arrêtent. Alors, dernier point que je voulais aborder en termes de diversion, tu as eu une réflexion aussi que je trouvais très intéressante. Tu me dis, on vit dans un monde de diversion. Ouais. Et dès qu'on dénonce cette diversion, on arrive dans un nouveau modèle. Ouais. Et on a l'impression que ce modèle, là par contre, c'est la vérité. Ah, mais là, on est arrivé. On est arrivé. C'est plus une diversion. Ah, ben oui, on est arrivé. Et tu me rappelais ce film là, c'était Inception. Ouais, Inception. Ouais. Ouais, dans lequel on se rend compte qu'il y a une diversion qui est prise dans une diversion. Qui est pris dans une autre diversion. Et donc, le fait de sortir d'une diversion ne veut pas dire que le nouveau modèle dans lequel on tombe n'en est pas une lui-même. Il n'y a aucun critère, à part le savoir. Elle est juste plus juste, c'est-à-dire qu'elle est plus proche de ce que l'on moins comprend. Moins elle est moins fausse. Exactement, elle est moins fausse. Elle n'est pas elle plus est pas juste, vraie. Elle est moins fausse. C'est ça. Elle n'est pas vraie. Et ça, c'est cette espèce de pensée critique qu'il faut avoir, même par rapport à tout ce qui est alternatif. Oui, absolument. Enfin, bon, je vois les vidéos sur Internet, ce n'est que recette, il faut que tu fasses ça, le jus de machin chose pour guérir telle chose, le jus de... Ça ne veut rien dire. Mais si on réalisait à quel point ça ne veut strictement rien dire, quand on te dit le jus de telle plante pour guérir le cancer, quelle est la cause du cancer ? Est-ce que le cancer est lié à un énorme stress émotionnel ? Est-ce qu'il est lié à une pollution aux métaux lourds ? Est-ce qu'il est lié... C'est différent pour chaque personne. C'est difficile pour les gens de concevoir qu'une même maladie puisse avoir différentes causes. Parce qu'on considère qu'une maladie, c'est un microbe. Donc, c'est le dénominateur commun. Donc, il faut shooter le microbe. Mais inconsciemment, c'est ça. C'est vraiment le dogme pasteurien qui a filtré, distillé là-dedans. On est baigné dedans depuis notre enfance. Alors que ce n'est absolument pas ça. C'est-à-dire que pour une même maladie, chaque personne va arriver à cette maladie de façon différente et c'est la façon dont ils sont arrivés qui va donner la causalité à cette maladie. Et ce n'est qu'en comprenant ça qu'on pourra, si on le souhaite, agir sur ce symptôme. Mais si on ne fait pas ce travail-là, on va tout simplement aggraver les choses. Dans diversion et dans division, dans distraction, il y a toujours la notion de séparation. Ça nous sépare de nous-mêmes, ça nous sépare de nos vrais besoins, ça nous fait rater la cible, globalement. Alors, on sort comment ?
de la diversion, du divertissement, de la distraction, de la Mais pour moi, il y a vraiment qu'une solution, c'est ça passe par le savoir. C'est-à-dire que le savoir, qui passe par l'étude des principes, nous permet de baliser le terrain et d'avoir déguisé, de développer son esprit critique. Et lorsqu'on a un esprit critique, eh bien, lorsqu'on est amené à un divertissement, mais qui ne colle pas aux principes que l'on connaît, parce qu'on a déjà réfléchi là, sur ce modèle. Hop là. Exactement. Les gars, non, mais attendez, c'est contraire à ce que je sais. Oui, c'est contraire à ce qu'on a à ces principes-là. Donc je ne vais pas aller faire ça. Ok, donc sans moi. Allez-y, mais sans moi. Ok, on te parle le jus de machin chaud. Ok, voilà. Moi ça ne me parle pas là. Voilà, mais moi je suis extrêmement ouvert à tout et intéressé à tout. Mais je demande toujours aux gens, voilà, quels sont les principes qui sous-tendent ça, comment est-ce que vous l'expliquez? S'ils ne sont pas capables de me le dire, bon ben, ok, je vous laisse, mais c'est sans moi. Par contre, si c'est le développement d'un principe qui permet de mieux réfléchir et d'en apprendre plus sur nous-mêmes, même si on ne comprend pas tout, l'idée, c'est pas de tout comprendre, c'est de toujours améliorer notre réflexion. C'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, c'est-à-dire que pour moi, ce qui compte, c'est pas les réponses. C'est les questions auxquelles renvoient les réponses. C'est le chemin qui compte, c'est pas l'arrivée. Merci Pierre. J'ai une dernière petite chose, si tu permets. Ah, parce que j'aimerais te faire un petit cadeau et faire un cadeau à ceux qui verront la vidéo. Alors. Suite à un petit peu à toute cette discussion, j'aimerais vous lire un très court passage de ce qui est ma Bible, qui est le Petit Prince. Et ce passage, pour moi, relève parfaitement cette problématique de la symptomatologie et du fait que les gens cherchent systématiquement à trouver des réponses en pensant qu'ils peuvent faire mieux que la nature. Alors, donc, c'est un chapitre. Donc, le Petit Prince, en fait, passe de planète en planète. Oui. Okay. Bonjour, dit le Petit Prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Wow. Top. Pourquoi vends-tu ça, dit le Petit Prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. C'est excellent. Et que fait-on de ces 53 minutes? Mais on en fait ce qu'on veut. Moi, se dit le Petit Prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherai tout doucement vers une fontaine. Excellent. Voilà. Excellent. Et je pense que ça a le mérite pour moi d'être très clair. C'est très, très... Et ça c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La diversion des pilules, des recettes miracles, ce n'est que la représentation de l'incompréhension que nous avons du monde. Ni plus ni moins. Merci Pierre. Avec grand plaisir. Merci pour ta présence sur ce stage, pour tes interventions, ton esprit critique. Merci pour tes bons hors de toi quand ça partait toujours trop sur les recettes et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Merci pour le « ça dépend ». Ouais. Le fameux ça dépend auquel que je répondais très très souvent mais il faut combien de temps, ça dépend. Dès qu'il y a une recette, ça dépend. Merci de nous aider à sortir de cette diversion. Avec grand plaisir. Bon retour chez toi au Pays Basque. Merci. À bientôt. À bientôt.